Good morning, Alaïd, et tu seras aujourd'hui lire Fouata, avant Shmuel, Ben Abetor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sefer de Megillah, Paridalet, Mishnah Vav. Katan Kore Batora, ou Metargem, Aval Eno Pores al Shema. Veno Over Lifne Ateiva, Veno Noset Kapav. Pocheach, Pores al Shema, ou Metargem, Aval Eno Kore Batora, Veno Over Lifne Ateiva, Veno Noset Kapav. Souma, Pores al Shema, ou Metargem. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shalora Merot Miyamav, Eno Pores al Shema. On continue à parler à présent des mitzvot à accomplir en public. Et un peu en rapport avec la mission présente, on évoquait le cas où un enfant a lu le maftir, alors on avait lu qu'il ne pourra plus faire, il ne pourra pas lui monter ensuite Shadar Tibour pour faire de Moussaf par exemple, mais qu'on donnera l'honneur à son père. En rapport à ça, la mission maintenant elle va nous prendre trois personnes qui ont un certain problème, qui pourront, oui ou non, accomplir certaines mitzvot publiques, mais pas d'autres. On a trois personnes, il y a le katan, le petit. Pochéar, c'est quelqu'un qui est en short, qui n'a pas les manches couvertes, qui est en petit t-shirt. Il n'a pas le droit d'être chalir tibour parce que c'est pas kavod pour le tibour, il ne peut pas lire à la Torah parce que c'est pas kavod pour la Torah. Mais il pourra quand même accomplir quelques mitzvot publiques parce que c'est un adulte qui est responsable, il pourra faire la mitzvah. Et après, le troisième, ce sera l'aveugle. On commence avec d'abord le katan. Katan kore batora ou metargem. Sachez que l'enfant, il a le droit de lire à la Torah. Il ne compte pas parmi les 10, il faudra 10 personnes, mais en plus, il pourra aussi, lui aussi lire à la Torah. Ou metargem, et même aussi lire le targum. Par contre, avaleno pores al shema, veeno over lifna teva, il ne pourra pas faire le pores al shema. Vous rappelez l'histoire du pores al shema? Lorsque 10 personnes ont prié tous indépendamment, ils se retrouvent ensuite à la synagogue. Ils se retrouvent 10 personnes après la tuila, eh bien, ils ont la possibilité ils ont même le devoir, je crois, de se réunir pour dire le un kaddish et un barichou, et lire la première mitzvah, la première bracha de Yotzer Ameorot, et aussi lire le schéma en public, comme ça ils ont compris une mitzvah en public. L'enfant, il ne pourra pas lui être le délégué, le chaliar tzibour, qui va faire. Là, ce Kaddish et Baruch Hu, un enfant ne peut pas dire Kaddish et Baruch Hu, si ce n'est, Chas v'Shalom, un orphelin pour le Kaddish des orphelins, on ne va pas le dire. Mais sinon, il ne pourra pas lui acquitter les personnes adultes de lire le schéma, la Birkat Hamorot. Ben Over, les Finateva, il ne pourra pas lui monter Chalir Tzibour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas acquitter les autres personnes. D'accord? S'il doit, par exemple, lire vous savez qu'à l'époque, surtout, en plus à l'époque, le chaleur c'est pour qu'il montait, il ne comptait pas juste de donner le diapason pour le public. Il dispensait les gens de la tfila, il disait la tfila à voix haute, les gens répondaient amen et comme ça il les acquittait en plus. Donc en tout cas, il ne peut pas accomplir les mitzvot publics. Ok? Et aussi, Veno Noset Kapav, aussi, il ne peut pas faire la Nesiat Kapaim. Si c'est un Kohen, il ne pourra pas monter faire la Nesiat Kapaim si c'est un enfant. Parce que ce n'est pas Kavod pour un public, que ce soit un enfant qui fasse la bracha pour un public. D'accord? Ensuite, deuxième cas de figure maintenant, c'est Pocheach. Pocheach, on a dit comme il dit le Rashi, le Bartanora, Gadav Kroim, Uzrotav Nirim, Mibachut. Il a les habits déchirés, il a ses coudes qui se voient de dehors. Arum Veyachef, il est dénudé, il est pieds nus. Ah, il nous dit que quelqu'un qui est dénudé ou qui est pieds nus, Metargemin Pocheach Veyachef. Arum, c'est quelqu'un qui est nu, en fait, qui n'est pas habillé comme il faut. Eh bien, Pores Hachema, il pourra faire la mitzvah de lire le schéma à voix haute pour dispenser les autres. D'accord? Donc ça c'est Pores et Shema. Ou Metargem. Il pourra aussi lire le Targum. Parce que concrètement, c'est un adulte, il n'a pas de problème, il peut accomplir la mitzvah d'accomplir les autres. Cependant, Aval Eno Korevator, il ne pourra pas lire la Torah. Pas comme le Katan qui avait le droit de lire. Lui, le grand, il ne pourra pas lire à ce grand-là qui est mal habillé. Il ne pourra pas lire à la Torah parce que ce n'est pas honneur pour la Torah. Veno over lifnea teva, il ne pourra pas non plus monter chaliar tzibour. Il faut le savoir, c'est fréquent, j'ai déjà vu dans des synagogues comme ça, de quartiers, où il y a un petit jeune de 14 ans qui arrive en short avec les tongs là, et avec les gros doigts de pied qui dépassent comme ça, et il monte chaliar tzibour. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Nous on est des gens respectables, on veut quelqu'un de respectable qui soit notre délégué pour partir parler au roi. Ouais, s'il devait partir demander au maire de la ville qui donne un terrain ou peu importe pour la bête Knesset, on n'enverrait pas ce clochard, c'est pas digne, d'accord? Donc il ne peut pas monter non plus. Ok?
Veno vers l'Ifna Teva, il ne pourra pas donc monter Shaler Tzibur. Veno dans cette capa, il ne pourra pas non plus aller faire la Nessiat Kapaim parce que c'est pas Kavod. Nous, on est des gens respectables et tout ça. Quelqu'un qui va me faire la bracha, il fait la bracha avec une tête de rasta et en short et des tongs. Non. D'accord ? Ensuite, Souma. Là, c'est l'aveugle. Alors là, d'abord, pour le moment, il faut savoir qu'il y a une discussion, mais concrètement, le Souma, il est dispensé des mitzvot de la Torah. Malgré tout, la Mishnah me dit que pour être cette schéma ou metargame, il pourra lire le schéma, il pourra même aussi dire le targum par cœur. Maintenant. La Mishnah n'a pas précisé plus. D'abord, je lis la suite de la Mishnah, après je fais un petit peu d'ordre. Rabbi Yehuda Omer, non. Kol Shelora Merot Miyama Venopores Al Shema. Rabbi Yehuda discute, il dit il ne pourra pas, lui, monter Shalayar Tzibur, ou même faire le Tzipores Al Shema, hein, pour lire la Bracha des Meorot. Pourquoi? Étant donné que de sa vie, il a jamais vu les Meorot. On parle d'un Souma de naissance, qui a jamais vu les Meorot. Il a jamais vu. Quand on fait la Bracha de Yotzer Or ou Bri Chosher, c'est une bracha en rapport avec les astres qu'Hachem il a créé. Hachem il a fait que le soleil s'est levé. Mais du coup, celui qui a jamais profité de la lumière, il ne pourra pas faire la bracha des Meorot, selon Rabbi Yehuda. Chachamim discute sur ça, il dit non, parce que même l'aveugle il profite de la lumière, même si lui il voit rien, mais quand il marche dans la rue, la Gemara rapporte, lorsqu'il marche dans la rue, au lieu de. Les gens, grâce à la lumière du soleil, les gens viennent et lui disent non, ils lui disent non, fais attention, tu vas tomber dans un trou, tu vas te cogner sur une pierre. Donc en fait, il profite même indirectement des Meorot, donc il a le droit de dire la bracha des Meorot. D'accord ? Maintenant, donc, il s'avère que non, la lacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc le Souma a le droit de monter même en Shaliach Tzibur pour dispenser le public. C'est ce que c'est écrit ici. Maintenant, j'ai dit Shaliach Tzibur, je me suis trompé. C'est vrai, mais c'est pas écrit dans la Mishnah. On a dit qu'il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de monter pour être pour Esal Shema, lire le Kaddish Baruch Hu et la première bracha des Meorot. Ça, c'est une mitzvah. Et il y a aussi la mitzvah du Shaliach Tzibur. Regardez que la mitzvah. Si vous faites en rapport avec tous les cas évoqués de la Mishnah, les cas de figure évoqués, et les situations évoquées par la Mishnah, alors on a parlé de Poresat Shema, Al Shema, on a parlé de Shaliach Tzibur, on a parlé de lire à la Torah, et on a parlé de Targum, lorsqu'on a parlé du Katan, et lorsqu'on a parlé du Pocheach. Et il s'avère que lorsque la Mishnah elle arrive sur l'aveugle, elle ne parle que de deux choses, il en manque deux à l'appel. On t'a dit que le Souma, il peut lire le Kaddish Baruch Hu et la Bracha des Meorot. Et est-ce qu'il peut faire la Tfila pour le public? Alors sur ça, maintenant, il rapporte, ça c'est dans le Medrash Shlomo, il rapporte au nom du tout, qu'il peut effectivement être Shaliach Tzibur. Bon. Et par rapport à la lecture de la Torah, alors vous allez me dire, lecture de la Torah, un aveugle, comment il va lire la Torah le public? Et or, on n'a pas le droit de lire la Torah par cœur, donc ça ne marche pas. Alors ça, il y a effectivement un avis qui est rapporté comme ça, que il rapporte le Medrash Shlomo que effectivement, Mashma de la Mishnah qui ne pourra pas lire à la Torah. Cependant, le Bet Yosef, il rapporte au nom du numéro Yosef, au nom du livre du Eshkol, que même un aveugle, il peut monter à la Torah, dans la mesure où il y a un Shaliach Tzibur, comme ce qu'on a l'usage aujourd'hui, il y a un Baal Koré qui va lire à la Torah, lui il monte, il dit juste la Bracha, et le Shaliach Tzibur, il pourra le faire à sa place, c'est un grand chidouche, parce qu'aujourd'hui, on est marmir en général, quand on monte à la Torah, de lire en même temps que le Shaliach Tzibur, sinon c'est, il y en a qui pensent que c'est Bracha, et voilà. Je n'ai pas étudié le sujet de fond. Apparemment, le Bet Yosef tient, selon l'avis, qu'on n'est pas obligé de lire en même temps que le Shaliach Tzibur, apparemment. Et même mieux que ça, même si finalement celui qui monte, il ne sait même pas lui-même lire, eh ben, il pourra donc. Il ne peut pas lire. Il pourra dire la Bracha malgré tout, et le Shaliach Tzibur, le Baal Koré, il pourra lire ensuite la Torah pour lui et acquitter le public ainsi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol Tov, Salam.